chaud. Je pense que le Roy il peut bien fumer le cloud en neutral parce que s'il mix pas beaucoup entre les moments où il zone au backer et les moments où il est plus en train de jouer en réaction pour où il finish avec un side B ou au moment où il est en train de bait les overshoot pour shield pour pouvoir up auto shield, s'il mixe pas bien tout ça, il va juste tout le temps se manger des nerfs sur ses sauts. Tu vois, tu as les clouds un peu mid level et tout, ils sont prévisibles sur leurs sauts backer, etc. Donc je pense que à un niveau assez moyen, je pense que Roy en neutral il se débrouille bien, mais je pense qu'à top niveau, quand le cloud il est vraiment précis dans ses mouvements et qu'il mixe vraiment bien, je pense que le neutral il est vraiment et en avantage, c'est des persos qui ont des mages output mongol, ils n'ont pas peur de dire les mots. Alors je pense que en avantage, les deux ils se mettent un peu la patate. Genre Cloud il peut vraiment bien strap Roy, il peut bien le corner pressure, une dinguerie. Ça, de toute façon, c'est Cloud contre tout le monde, il peut bien le juggle Cloud contre tout le monde. L'inverse est aussi vrai, mais je pense que là où la différence elle se fait, c'est que Roy il a un X-Factor des zinzins, tu vois, qui est beaucoup plus constant. Tu vois, Cloud il peut te limit cross slash une fois à 70%, mais Roy il va la moitié des stocks il va te les prendre à 50. Tu vois. C'est constant, c'est vrai. Enfin, si tu fais pas attention, si tu mixes pas assez tout, et je pense que c'est vraiment là que la différence elle peut se faire. Mais je pense que le matchup quand même il est quand même pas mal even, tu vois. Ouais. Genre le Battle Shield ça aide beaucoup, le side B pour finish c'est fort. Après Flo il connaît bien le matchup, King Game je suis pas sûr, donc on va voir ça. Hein. Ouais. C'est parti sur PS2, enfin je dirais plutôt au Madison Square Garden. Parce que là on a un parquet de basket. J'aime trop la ref elle est incroyable. Et là mine de rien, hein, tu sais le classique faire side B qui met 37%. Mais le père Flo, hein, on n'en parle pas assez. Tu sais avant on faisait des blagues sur lui, ouais son Roy il a pas de combo, il sait pas faire du jab backer, mais il est passé du tout à rien. Genre, son combo game il est fou. Avant son Roy il ratait les jab backer. Il savait pas les trap. Il jouait au hasard. Il envoyait des zones velvet, pas rouge. Maintenant son Roy il fait tout. Direct jab backer, direct. Ah, il est ouais, ça va très vite. Et une des win conditions pour Kingel, ça va être tout simplement, c'est facile à dire, tu me diras c'est dans tous les matchups, mais là c'est vraiment la survie, c'est-à-dire à quel point tu joues bien autour des kill options de Roy. Ouais. Est-ce que tu arrives à survivre à 120 ou est-ce que tu meurs tout le temps à 70? Ça va faire énormément la différence. Surtout que Cloud il peut allumer Roy sur une phase d'avantage, sur une win de neutral. Du coup bah ça snowball en fait, si tu survis longtemps, t'as plus souvent des phases de neutral et du coup ça change tout le match en fait. Par contre là celui qui est en train de se faire allumer hein. C'est personne d'autre que le joueur de Warthogs. Hein. Il est en train de se faire fumer. Après, Flo, comme tu disais, il connaît très bien le match-up. Hein. Son partenaire, bah, c'est personne d'autre que Sir Knight. Et Sir Knight, je pense que Cloud, c'est peut-être le perso peut-être qui joue le plus en freeplay. Possible. Ouais, et moi aussi, j'ai beaucoup joué Cloud contre Flo, genre énormément. Ouais. Du coup, ça va, il est... Là, le... Oh ouais, t'as pas le droit de faire cette roco contre les persos qui en contre. Ouais. Oh, mais la reconnaissance de situation immédiate. Genre ça a vraiment été automatique. Genre il a vu faire ça, action, réaction. Ça va super vite. Hein. Là on est même pas à 2 minutes de game. Les combos de Roy on connaît. Oh, l'avantage de Flo, il est monstrueux son avantage. C'est un truc de fou. Kingel au niveau du désavantage c'est un peu compliqué contre Flo et contre Roy c'est bien vu. Il est un peu commit là, il aurait peut-être dû garder le centre du stage. La belle dash attaque en off punish, la phase de juggle, il a couvert les options, il a tout couvert, c'était parfait. Il a gardé le centre du stage. Le limite Blade Beam pour gratter du shield. Même il est un peu fat, j'ai l'impression qu'il Kingel à traverser son mouvement, il est assez prévisible. Flo c'est comme tu dis, il arrive bien à catch, à bien lentir, ou même à l'attendre au landing pour essayer de le shield poke. Il catch bien ses attentions tu vois. Tu trouves? Ouais de ouf. Là Kingel il mettait beaucoup de backer, beaucoup de short-up backer, là il a bien mix up, il a conditionné un shield, il le sait. Oh, il a envoyé un short-up into side B. Là c'est bien. Ça a débloqué la situation, ça met pas le pourcent et là il a réussi à trouver la stock. Avec le petit up B, le petit up smash pardon. Là c'est encore jouable, hein. Cloud ça va très vite. Il a un dommage output de fou, hein, là, clairement. Là en une phase d'avantage qui finit en ledge trap, il peut le mettre à kill pour ça. Il va falloir survivre. Le down tilt qui était risqué, mais c'est passé. Là, faut faire attention côté. Ah, le mix-up il l'a déjà fait une fois et ouais, avec Flo, c'est pas, tu peux pas faire deux fois d'affilée la même chose. Il aurait peut-être pu tenter un grab ou juste reset la shield pressure. Ok, il joue le centre du stage, c'est bien vu, Flo qui commit. Flo qui a pas accepté le fait qu'il ait perdu l'avantage. Il se retrouve corner pour ça. Ouais, là faut faire attention, là c'est chaud. Les deux joueurs qui. Là ils ont élevé le niveau hein, comparé à la première stock. Ouais. Les deux joueurs qui jouent beaucoup plus safe. Okay. Et ouais, comme on a dit, Kingel qui était un peu prévisible sur ses short-top. Flo qui. Bah le risk reward de ce upper était excellent. En plus ça a pas de lag. Et c'est safe. Ouais c'est ça, c'est safe. Du coup. Il avait tout à gagner si même s'il shieldait, bah derrière il avait un bon set play. Et si il ratait, bah c'est compliqué de réagir à ça. C'est ça. Du coup on a Flo, Losk, Flo, 1-0. L-O-S-C. Qui prend cette première game. Madhouse. Intéressante ta première game, intéressante. C'est dommage que je trouve que Kingel au début il a un peu dormi, il est un peu mort pour rien. Même du côté de Flo il y avait des déchets.
genre sa première stock, il a perdu pour rien, il avait le lead, il a fait un side B dans le shield de King Gale, un peu inutile, c'est mangé up smash. Il y avait pas mal de déchets des deux côtés, mais à la fin ça jouait vraiment du beau Smash Bros, c'était lourd. Donc j'espère qu'ils vont repartir comme sur la fin et que... Ouais, comme dans le chat ça disait, les main cloud faisaient passer leur perso pour un perso cassé alors qu'ils gagnaient majeur. Alors que le perso ça fait 6 tournois de suite sur les 5 continents de cette planète après, qui top 8. Après pour moi Cloud c'est passé de mid tier à top tier, genre vraiment. Bah oui bien sûr. Au début du jeu le perso il tuait pas. Ouais, il tuait pas. Et il pouvait pas recours dans tous les matchups. Ouais, ça c'est grave. Et en plus c'est deux faiblesses qui snowball entre elles en fait. Parce que tu tues pas. Donc et le mec coup, il est tout le temps là. Et il a la rage. Donc il y a plus de chances de te faire envoyer off stage, etc. etc. Donc pour moi il était vraiment mid tier et maintenant il est top tier. Top tier. Genre vraiment, genre je pense après son premier buff, il lui manquait du kill power. Mais là maintenant, en fait, comme tu dis, il avait un dommage output de fou, mais il tuait pas. Mais maintenant il tue, il a un dommage output de fou. Et son hubby il est beaucoup plus dur à. Tu sais, à 2 frames. Genre. Ok. Et c'est vraiment situationnel. En plus, à la limite, elle dure plus longtemps. Ils ont buff quasiment tout dans la limite. Hein. Mais je dis, par contre, les clouds en Europe, il n'y a pas beaucoup de clouds qui utilisent le upbeat de la limite pour tuer. Ça tue assez bien à 110-120%. En vrai, ils n'utilisent pas moins que les autres. Hein. Tout ce que j'ai regardé. Après, je sais pas, t'as regardé qui en Europe. Ils n'utilisent pas moins Curie que les autres. Bah, Curie Gouverneur, je veux dire, ils n'utilisent pas moins que les autres. Okay. Oh, oula, il y avait peut-être quelque chose à faire. Là c'est la situation corner pressure, c'est exactement ce que Cloud il veut, c'est le moment où Cloud il est le plus fort et la condition d'Achille avec ses mouvements et ses aerials. Là c'était vraiment une chose à ne pas faire. Il a donné le stage contrôle. Ouais, il avait la situation de l'extra pas au pourcent. Okay. Il a commit, il a perdu mais sur un reverse avec un fer en zone rouge, il a réussi à prendre la stock. C'était, on peut pas dire que c'est bien joué, mais c'est une option qu'il a fait. C'était un mix-up, il l'avait jamais fait, donc pas mal. Okay. Là, au niveau de l'avantage tête, King Gale, ça se voit qu'il comprend, ce qu'il fait, il couvre bien les options, il reste safe. Mais il arrive à capitaliser, surtout en juggle, il a un bon juggle. Mais c'est comme tu disais là par rapport à la première game, il survit beaucoup moins, il se fait beaucoup moins de cheese par Roy. Hein. Et on voit une adaptation directement. Après là, on l'a pas trop vu en désavantage, donc on ne sait pas encore. Ok, oh bien joué. Bien joué la Roco. Ah, ça c'était du suicide. Heureusement que Flo il a juste fait un air, il aurait pu up smash tout. Quand Cloud il fait pas le deuxième coup de jump B, tu peux tout faire. Hein. Il a trop de lag. Ah ouais, il redescend tout doucement et après il a beaucoup de lag. Ah, okay. Là il est bien dans cette game. Hein. Là il a un gros lead. Aucune raison de prendre de risque. Il joue safe, les back air. Il lui fait croire qu'il est loin et qu'il zone. Finalement il fait un petit back air en overshoot. Ok. Il va faire qu'il est touché. Ah ok. Les deux qui se sont tués en zone rouge, intéressant. Ok. Il donne trop, ça va. Ça va peut-être mettre beaucoup de pourcent. Ok. Jerry out into up B. Avec la rage ça passe pas. Ah, il aurait peut-être pu un up smash, j'ai pensé à la même chose. Là aussi il aurait peut-être pu up smash, je suis pas sûr. Non en fait non, pas sur le down shield. Non. Ah ça c'était un peu présomptueux, c'est dommage, il se précipite. Là faut faire attention. Ça c'est le mental, ça c'est le mental. Ouais. Et Flo il est vraiment fort pour profiter de ça. Là King's Gale il a kill pourcent de cheese, hein, clairement. Ah voilà, là c'est... Je vais pas dire c'est even mais pas loin. Mais quand t'es à ces pourcentages là contre Cloud qui a la limite, c'est beaucoup trop dur en fait parce qu'il peut tuer avec le up B. Ouais c'est ça. Du coup tu peux rien faire en fait. Tu peux pas l'attaquer, tu peux pas rester trop défensif. C'est vraiment trop dur à ces pourcentages là. Mais là King Gale qui commit pas mal, il a perdu sa limite, c'est dommage. Côté la Flo, petite patience. Côté Flo il y a un coup à jouer. Aïe aïe aïe. Ouais là c'est, ça c'est à cette distance là, il n'y a pas de counterplay en fait, c'est gratuit. Ah Flo là il a bien joué le coup. Hein. Il a très très bien joué le coup. Hein. Ok. Ok ça se regarde hein. Une stock chacun, ah dommage. Ah, Flo s'est un peu précipité, il a peut-être cru qu'il allait pas finir le side B. On a lâché le shield côté Flo. Okay. King Gale qui commit énormément sur les side B. Et en fait, j'ai l'impression qu'il veut pas accepter le fait que Flo il s'est adapté. Donc faut qu'il commence à soit Tomahawk, soit reset la shield pressure. Ouais, c'est ça. Mais les empty hops side B, quand le mec il a compris, faut éviter. Faut réduire. Parce que c'est quand même assez commit-all. Ah, dommage, le petit neutral B. Ok. Ah là, c'était un peu un EB en guess en mode j'espère que tu vas essayer de punir. Quoi? Ouais. Ah ouais? C'est bien joué hein. King Gale qui a été assez impatient. Il a montré de très 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 belles choses. Les deux ont montré des belles choses mais il y avait plus d'impatience du côté de King Gale que du côté de Flo. Flo qui est resté juste serein, il a su cueillir les erreurs. Et voilà, c'est ce qui fait la différence entre un top et une étoile montante. Ouais. Mais je pense que King Gale il va pouvoir voir la vote. Il va avoir beaucoup à étudier, il va pouvoir bien progresser.